Aujourd'hui, le, le thème c'est l'invisibilité. Vous vous rappelez que dans, dans la, bah, peut-être vous, vous rappelez vous, que dans la séance d'introduction, j'avais expliqué qu'on qu était confronté à, à un problème important du fait que la fabrique de connaissances était elle-même invisible. On, on ne pouvait pas à moins d'être spécialiste et encore comprendre ce qui se passait à l'intérieur de la fabrique de connaissances. Et cela, à la différence des, de, de la fabrique des objets matériels, où on voit bien ce qui rentre, ce qui sort, ce qui est déplacé, etc. etc. Euh, dans la fabrique de connaissances, ce n'est plus le cas. Et donc, euh, j'ai décidé de faire tout ce, le cours aujourd'hui en deux parties, autour de... Que devient la citoyenneté face à un mode de production, face à des règles de production, face à des produits qui échappent euh, au, au, à la capacité de voir et d'analyser des, des consommateurs comme des autres producteurs, comme de ceux pour qui les produits sont un élément de la chaîne Un, un informaticien prend des logiciels en entrée, il produit du logiciel en sortie. Mais tout cela est une, une fabrique un peu. Euh, Invisible. Voilà. Alors, ça fait plusieurs années que j'essaye je, de présenter ce thème en disant qu'il pose des, des contraintes nouvelles à la démocratie. Quel va être le, le, le nouvel angle de la démocratie Et là, bien évidemment, nous tombe dessus l'événement qui va rendre palpables les raisons de, de, des problèmes démocratiques liés à cette invisibilité. C'est le fait qu'une des plus grandes entreprises mondiales ait organisé un defeat device, hein, un, 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 un outil pour tromper, un outil trompeur, qui est ce fameux logiciel qui a été euh, intégré dans les, dans les diesels de, de Volkswagen pour ne pas avoir le même comportement quand la voiture est en mode test et quand elle est en mode routière. Alors là, bien sûr, ça pose toute une série de questions. Ça pose toute une série de questions. La, la première, pourquoi on essaye de nous faire croire qu'il y a du diesel propre, alors qu'en fait, on obtient du diesel propre qu'avec des conditions très particulières de, de route et de, enfin même pas de route, de, de, des conditions d'expérimentation pour faire les calculs qui ne sont pas comparables avec la vie réelle. Déjà, votre première chose. Alors quand vous avez la Madame la Maire de Paris qui dit qu'en 2025, elle ne veut plus qu'il y ait de diesel dans sa ville, ben voilà. en face, on vous répond oui, mais maintenant, c'est plus pareil, c'est du diesel propre. Et puis le diesel propre, on s'aperçoit qu'entre-temps, il a été mesuré dans un système qui était perturbé par un logiciel, c'est-à-dire quelque chose à nouveau d'invisible. Mais en même temps, de profondément symbolique. L'ordinateur est une machine symbolique. On en a parlé dans le cours sur l'histoire. Dès le début de l'informatique, on essayait de nous dire que c'est un cerveau géant, giant brain. Ça ne l'est pas. Mais au moins, c'est une machine qui sait traiter ce qu'elle peut recevoir de toute une série de capteurs, le transformer en l'interprétant. Elle interprète le résultat de ces capteurs, elle ne fait pas que le transformer le, comme un amplificateur qui reçoit un signal en entrée et qui l'amplifie, qui le, le rend plus fort en sortie. Là, on n'est pas du tout en ce cas-là, on est une machine qui interprète, qui fait du traitement de l'information. Et là, en l'occurrence, la machine roulait en permanence avec des capteurs qui se demandaient est-ce que je suis en mode test ou est-ce que je suis en mode normal, et qui était donc capable de reconnaître le mode test. Bon. C'est grave parce qu'on est aussi à la veille de la COP21, la, la conférence sur le climat là, qui va se tenir à Paris au mois de décembre et dont l'objectif est effectivement de limiter l'émission des polluants, le carbone, mais il y en a d'autres, en l'occurrence le test de Volkswagen porté sur les oxydes d'azote et euh, sur les particules fines. Donc, ce sont deux autres formes de polluants qui, qui ont tendance à provoquer ce réchauffement et ce changement climatique. Euh, dont on nous prédit qu'il aura des conséquences terribles sur les générations à venir. Ces générations à venir qui, elles, ne, ne, ne bénéficient pas du fait qu'elles qu ont des voitures qui foncent, euh, quitte à polluer tout le reste du monde entier, euh, en croyant même que leurs voitures ne, ne polluent pas, puisqu'on leur a expliqué que dans les tests, c'était du diesel propre. Donc, ça, c'est un premier problème. Mais il y a un deuxième problème qui, à mon sens, est tout aussi important, c'est cette volonté de ne pas respecter les lois. Les lois ne sont plus vécues comme une décision collective avec laquelle il faut s'adapter, il faut vivre avec tout simplement ces décisions ont été prises en fonction d'un intérêt général, en tout cas on l'espère, hein, par, des, par des, des, des élus qui sont élus au nom du peuple c'est le principe de base de la démocratie. On espère donc qu'ils ont pris des décisions dans le cadre de l'intérêt général auxquelles ensuite il faut s'adapter. Voilà. Ce n'est pas, pas être contre le marché que de dire que quand il y a des règles du jeu, bah, tout le monde doit les respecter. Parce que ces règles sont les mêmes pour tout le monde. Si c'était des règles qui n'en favorisaient que certains, effectivement, on pourrait discuter. Mais là, c'est des règles qui sont au nom de l'intérêt général. Or, avec l'invisibilité de ce qui se passe dans le logiciel, et tous ceux qui ici ont écrit des, des morceaux de code logiciel savent qu'à un moment donné, on peut dire. Zen. S'il se passe tel, tel critère, tel, tel élément d'information, alors je vais pouvoir euh, transformer les résultats, produire une autre, un autre événement symbolique qui, sera, qui ne sera pas le même que celui qui aurait été prévu euh, par le fil normal de, de l'usage. Donc euh, on est dans, dans ce, ce véritable problème qui est, à mon sens, un problème de culture numérique. Alors je vais essayer de vous le montrer dans dans le reste de mon exposé. D'abord, les faits. Les faits, c'est une association, The International Council on Clean Transportation, euh, qui s'est associée avec une université, l'Université de West Virginie, pour fabriquer ce que, ce que vous voyez là, l'espèce de, de système mobile d'analyse embarqué à l'intérieur de voitures, et qui permet de tester les voitures en mode réel. Tout ça parce que tout le monde sait bien, c'est écrit depuis des années et des années, que les tests ne représentent pas les situations réelles. Donc, il est normal que quelqu'un qui s'occupe au clean transportation, le transport propre, fasse des tests en situation réelle. Mais les résultats qui sont sur le, le tableau en dessous ont été assez époustouflants. La bande rouge que vous voyez, c'est les normes auxquelles les voitures doivent s'adapter. La norme est décidée, les voitures s'adaptent. Les bandes jaunes, c'est bien sûr le résultat. On a jusqu'à 40% de différence entre ce qui devrait être, et donc ce qui est annoncé quand on fait les tests, et la réalité de ce qui est consommé sur la route. S'il y avait eu une petite différence, ma foi, ça fait partie des erreurs liées à l'expérimentation. Mais une telle différence, ça ne peut pas passer inaperçu. Donc, cette association euh, et l'Université de West Virginie euh, ont été voir euh, l'Environmental Protection Agency, donc l'équivalent du ministère de l'écologie, pas tout à fait l'équivalent parce que c'est une véritable administration avec des, des agents dans, dans tous les États, mais c'est bon, voilà, ce qui ressemblerait le plus. C'est disons si le ministère de l'écologie en France avait une véritable administration pour vérifier. Que ce qu'il décide, ce qu'il cherche à protéger est effectif. C'est là que donc le, le PA a regardé et s'est aperçu que c'était non pas que cette différence était toujours effective et qu'elle était pilotée par un logiciel sur la même voiture selon la condition de test ou condition réelle. On avait effectivement ces écarts absolument énormes. Donc l'idée qu'il y avait bien un logiciel à l'intérieur de la voiture, ce qu'on appelle aujourd'hui les logiciels embarqués, et tous nos systèmes vont avoir des logiciels embarqués. Hein, soyons clairs, ce qu'on appelle l'Internet des objets, c'est l'idée que tout système mécanique va devenir hybride, tout système électronique va devenir hybride, tout système même biologique est en train de devenir hybride, c'est-à-dire piloté par des... Euh, ordinateurs. Donc des programmes, donc la capacité dans l'invisibilité du programme à introduire des critères, des conséquences, des enjeux qui dépassent à la fois le, les, les capacités du, du régulateur, qui, du, du technicien à qui on va demander de regarder les lignes de code, qui dépassent les capacités du consommateur, qui peut difficilement lui aussi prendre conscience du fait qu'on cherche... À le, à, le tromper, à le tromper. Alors ce logiciel n'a pas été écrit par Volkswagen. Il a été écrit par une autre entreprise qui s'appelle Bosch, qui fournit du matériel électrique à tous les constructeurs. Pour ça que vous n'avez pas fini d'entendre parler. Aujourd'hui, Volkswagen s'est fait passer avec les mains dans le pot de confiture. Mais bon. Voilà. Or, que dit... Que dit Bosch dans cette affaire Il dit ⁇ Mais moi je lui ai donné que du logiciel. Si je lui ai donné un marteau et qu'il s'en sert pour taper sur la tête de son voisin, ce n'est pas de ma faute quand même. Moi j'ai fait que lui donner un marteau. ⁇ D'accord Donc dit moi je lui ai donné un logiciel, il savait très bien que c'était pour faire les tests. Vous y croyez très fort, n'est-ce pas Voilà. On y, on y croit très fort à ce genre de situation, tout comme on nous dit que euh, quand, on, quand on vous donne un, un logiciel pour euh, pirater, vous ne vous en servez pas pour pirater, bien évidemment, vous servez pour transférer que des, que des œuvres légales. Hein pas de problème. Donc voilà, là il y a une forme d'hypocrisie qui se surajoute à la tromperie. Mais bon. Euh... Moi, ce qui m'interroge dans cette question là, c'est qu'il y a bien eu des programmeurs qui l'ont programmé qui le faisait en conscience de cause. Ils ont mis en entrée, voilà ce que je dois capter qui me permet de savoir que je suis en mode test. Et alors, j'enclenche un autre processus. De, 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 la voiture roule moins bien, mais elle, elle pollue moins. Donc, c'est un travail d'équipe, la programmation. Ce n'est pas une personne qui a fait ça dans ce coin, en cachette, en secret. Non, non, c'est toute une équipe de travail supervisée. Par des, des ingénieurs parce que quand on fait du logiciel embarqué, il y a quand même des risques absolument énormes, je vais y revenir tout à l'heure, mais euh, bon donc c'est supervisé. Et ça a paru normal à tout le monde. Eh bien moi ça me choque, voilà. Mais je sais que dès que c'est possible techniquement, on va trouver des gens pour le faire réellement. Et c'est vrai de toutes les techniques. Et alors avec l'informatique, où on peut en permanence améliorer, ajouter, recomposer, mettre une verrue, etc. On trouvera encore plus de possibilités de gens qui vont dire ah mais c'est possible techniquement donc je vais le faire réellement. Voilà. Ce problème va être permanent. Là on est dans un cas simple. On est dans un cas simple, il y a un test. Est-ce que j'ai des, est-ce que, est que je suis en mode test, est-ce que ça roule? En fait, dans le mode test, les, la, les roues ne tournent jamais. Hein, on, est, on est sur un banc de test. Donc, on n'a que deux roues qui tournent, le, le volant ne bouge pas, euh, les vitesses sont programmées à l'avance pour qu'on sache. Enfin bon, voilà, c'est facile à reconnaître. Mais ce qu'on voit se développer partout, et on en parle de plus en plus dans, dans les journaux, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et dans le cadre de l'intelligence artificielle, une autre technique, il s'appelle le machine learning. C'est-à-dire comment la machine... La machine, c'est le logiciel, ce n'est pas, pas la boîte en silicium ou en aluminium qui comprend, hein, c'est le logiciel. Comment cette machine est capable d'apprendre à reconnaître des situations, à reconnaître des choses qu'elle a déjà vues. Et donc vous voyez bien que, euh, bah, attendez, vous conduisez la voiture, vous voyez le signe du radar, chut, vous levez le pied. Vous voyez une, une, un gyrophare bleu au fond, vous levez le pied. Vous savez reconnaître que, bon, là, voilà. Même si vous êtes en dessous de la vitesse normale, vous allez lever le pied quand même. Bientôt, le logiciel sera capable de reconnaître tout ça par lui-même, d'intégrer l'ensemble de ces informations et d'en tirer des conclusions symboliques. Là, en l'occurrence, c'est une conclusion symbolique de dire Je vois quelque chose qui m'inciterait bien à lever le pied. Donc, on va se retrouver avec ce problème de qui rédige des logiciels, qui les vend et qui inclut dans ces logiciels des critères. Divers qui lui permettent à ce logiciel de devenir un fraudeur comme tous les êtres humains que vous connaissez. Un logiciel, c'est censé être une mécanique qui applique. Donc on a là un problème important. Alors, on retrouve cette question de détourner la loi. Il faut être clair, c'est une activité constante. En fait, quand on édicte une loi, les gens cherchent à la détourner. Alors il y a des lois. Qui sont encore plus visés que d'autres. Les lois fiscales, par exemple. On cherche à faire de l'évasion fiscale légale. L'évasion fiscale légale. C'est-à-dire, je m'appuie sur les faiblesses de la loi parce que, vous savez que dans la loi, il y a l'esprit et la lettre. Et la seule chose, parce que nous sommes dans un état de droit, que l'on peut considérer, c'est la lettre de la loi. C'est ce qui est écrit. Donc tout ce qui ne rentrerait pas dans ce qui est écrit, bah, même si euh, l'esprit, vous savez, voilà, il va. Or, il y, a, il y a forcément, et c'est obligatoire, une lenteur de la décision légale. Ça montre ça, que la loi ne peut pas suffire à organiser la régulation. Et là, c'est un autre élément que je voudrais introduire dans ce cours c'est que qu'on est dans une société numérique, donc elle est complexe, avec des, des tenants et des aboutissants très divers. On est réellement dans une société de la complexité. Or, dans une telle société, personne ne peut penser établir une loi va avoir les conséquences que l'on a voulu. C'est beaucoup plus quelles vont être les formes de régulation, quels sont les, les, les vecteurs qui, qui permettent de réguler quelque chose, justement parce qu'il y a cette tendance des individus et, pire encore, des groupes à essayer d'évacuer euh, la loi. À côté de ça, il y a aussi la faiblesse en moyen des régulateurs. En l'occurrence, est-ce que vous croyez que l'Environmental Protection Agency a un staff d'informaticiens très compétents, capables de regarder ce qu'il y a à l'intérieur du logiciel embarqué dans une automobile Est-ce que ces gens vont être payés plus que s'ils allaient bosser pour truquer le logiciel dans l'entreprise concurrente Parce que si vous avez des régulateurs qui sont moins bien payés, en général ça se termine mal. D'accord Donc voilà, donc le problème de la régulation, c'est aussi quels sont les moyens indépendants d'analyse et d'enquête que se donne la société. Mais la société elle est représentée par quelque chose. Donc quand aujourd'hui, on nous dit qu'il faut moins de fonctionnaires, il faut moins de ceci, il faut peut-être, ça se discute. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de fonctionnaires, ça ne se discute pas, c'est tous ceux qui sont capables de passer par-dessus cette invisibilité de la fabrique de connaissances. Ceux qui vont aller être capables d'aller regarder euh, dans le code. Et puis aussi, il faudrait que nos, nos législateurs, nos décideurs, prennent conscience du fait qu'il y a basculement numérique. Qui qu'ils s'investissent eux-mêmes dans la culture numérique de manière à comprendre que ce basculement numérique c'est pas seulement des nouveaux outils comme j'essaie de l'expliquer dans le premier cours c'est pas seulement des nouveaux outils avec des savoir-faire associés à ces outils-là mais c'est tout un modèle d'interconnexion permanente des gens et c'est un modèle dans lequel en fait il y a un écosystème numérique dans lequel on est plongé et que de facto nous sommes plongés dans deux écosystèmes euh, qui deviennent hybrides qui est l'écosystème naturel, celui qui est en crise, COP21, tout le là, mais l'écosystème numérique aussi, qui lui n'est pas du tout en crise, qui au contraire en croissance et en développement permanent. Donc euh, nous sommes à tout moment plongés dans ces, dans ces deux écosystèmes. Et comment allons-nous nous en sortir Alors à la fois à titre individuel et en termes de société. Cette situation du, du détournement, je vais parler de livres. Fait la culture numérique. Il y a beaucoup de choses sur le web. Mais quand même, les livres, c'est là que ça se passe. C'est là que ça s'est passé, en tout cas, dans le temps. Je vais vous parler de deux livres qui ont eu une histoire énorme qui va vous rappeler, vous les interpréter, mutatis mutandis, euh, avec ce qui se passe là dans l'affaire Volkswagen. Le premier, c'est un livre qui est paru en 1905, qui s'appelle La Jungle, de Upton Sinclair. Upton Sinclair décrit dans son livre. La, la vie d'immigrants lituaniens qui travaillent aux abattoirs de Chicago. Et principalement, son livre c'était sur les conditions de travail, les conditions de vie, le mépris pour ces travailleurs. Mais il l'a fait sur la base d'une enquête. Il allait enquêter réellement dans les abattoirs de Chicago. Et ce qu'on a retenu le lecteur, c'est les conditions d'hygiène absolument désastreuses et donc le fait que la viande qu'on nous vendait, c'était même pas de la viande de cheval bien réfrigérée. C'était toute une série de choses absolument catastrophiques. Ce livre a eu un énorme succès hein, et euh, il a amené à la création de ce qui allait être l'ancêtre de le, la, actuellement la Food and Drug Administration, c'est-à-dire le, le contrôle des médicaments et de l'alimentation, avec des gens qui sont capables de rentrer dans les usines agroalimentaires ou dans les usines pharmaceutiques et d'évaluer en fait, le, le, le niveau d'hygiène. En France, c'est la DGCCRF, Direction générale de la répression des fraudes. Donc voilà. Donc c'est un, un livre, Qu'est-ce qui se passe à l'ère logicielle qui nous permet de penser que quelqu'un est en train d'écrire la jungle logicielle, c'est-à-dire un livre qui nous montre les, les à côté. Souvent, c'est écrit aujourd'hui dans les livres de science-fiction. Mais le problème, c'est que c'est des livres de science-fiction. Et globalement, pour qu'il y ait un peu d'attrait dans le livre de science-fiction, on transforme les choses non pas en des descriptions, mais en des dystopies. Dystopie, le contraire d'une utopie. Et donc, ça, ça les rend crédibles qu'auprès de ceux qui font immédiatement le lien, le parallèle entre ce qui se fait dans le monde informatique, dans les développements de l'informatique, et ce qui est décrit dans ces univers de, de science-fiction. Mais je ne saurais que conseiller à ceux qui veulent comprendre le monde numérique de de sélectionner un certain nombre de livres de science-fiction. Je cite toujours William Gibson dans, dans mes cours, euh, et pas seulement de romanciers, mais d'autres comme Paterbury Cognition, mais qui nous montrent bien ce qui se passe réellement dans, dans ce monde numérique. Un autre livre qui a eu la même importance, qui date de 1962, c'est le livre de Rachel Carson qui s'appelle Le Printemps Silencieux. C'est un livre dans lequel elle parle en fait, des effets des pesticides, notamment du DDT, sur les oiseaux. Le printemps est silencieux parce qu'on n'entend plus les oiseaux. Je crois que vous pouvez pas vraiment remarquer, en tout cas pas autant que moi, c'est que déjà quand vous étiez jeune, on entendait peu les oiseaux. Mais maintenant c'est une catastrophe. Moi, il n'y a plus de mésanges en bas de chez moi. Il y en avait plein. Il n'y a plus de merles en bas de chez moi. Il y en avait plein. Enfin bon, voilà. Donc on est dans une situation où le printemps devient silencieux. Ce livre connaît pareil un immense succès. C'est une biologiste qui travaille pour l'administration. Donc elle-même elle fait partie de ces régulateurs, de ces gens censés surveiller. Et elle s'aperçoit qu'elle n'y arrive pas. Et elle dit, mais attendez, vous avez deux choses. Vous avez une industrie chimique qui fait elle-même ses analyses des effets secondaires des produits qu'elle vend. Et qui donc les fait dans son intérêt. Elle dit qu'il y a des informations de l'industrie. Mais elle dit aussi que, Autour d'elle, les régulateurs acceptent cette dérégulation parce qu'ils ne prennent pas en compte l'intérêt général, mais l'intérêt économique. Donc, l'entreprise chimique, les entreprises chimiques, et non pas l'intérêt général. Alors, dix ans après l'apparition de son livre, en 1972, le DDT est interdit. Et puis, en fait, on considère que ce livre est le lancement de la prise de conscience écologique à travers du monde. Donc, vous voyez, il y a des livres qui répètent l'histoire qui écrira aujourd'hui un livre sur tous ces logiciels embarqués mais aussi les gens qui fabriquent ces logiciels embarqués les industries qui les vendent et le, le, le silence complice de des gouvernements des états des, des systèmes administratifs parce qu'en fait on a on a un très grand déséquilibre dans cette affaire c'est que tout ce qui est silencieux fait que le, le consommateur ne peut pas être au courant il en est réduit à faire confiance à ce qu'on lui dit Ça fait 18 mois en fait. L'affaire apparaît aujourd'hui mais ça fait 18 mois que l'Environmental Protection Agency et le et Volkswagen discutent. Et que Volkswagen il dit non non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Non non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Voilà. Donc euh, on, on est quand même dans cette situation là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que l'affaire a éclaté, personne ne s'est vraiment intéressé sur les conséquences écologiques sur les conséquences sur la santé publique. On commence maintenant, ça commence à, on commence à dire, mais attendez, dans, dans cette affaire, il y a quand même des, des milliers de personnes qui ont des problèmes pulmonaires. Hein, D'où ça vient, ça hein euh, Tout le monde a dit, mais attendez, c'est euh, un problème économique, il va y avoir des licenciements, il va y avoir une entreprise dont la, la, le cours en bourse a baissé, etc. C'est vrai, c'est une réalité. Mais personne ne remet en, en perspective avec euh, l'intérêt général. Qu'est-ce qu'on a vraiment cherché à truquer dans cette affaire-là Il y a même cette, cette, phrase, cette phrase que j'ai entendue au lendemain de l'affaire sur, euh, sur France Info, on a menti sur la pollution mais pas sur la qualité des voitures. Euh, C'est quoi la qualité d'une voiture Si elle m'est vendue comme une voiture de diesel propre qui ne polluerait pas, mais pourquoi, pourquoi euh, d'un seul coup euh, mentir ne serait plus... Euh, c'est quoi la qualité La qualité, c'est quand même un multicritère. Voilà. Euh, J'aime bien la citation de, du communiqué de l'April. Alors, l'April, c'est l'Association pour la promotion de l'informatique libre en France. Et c'est un communiqué qui a été publié hier ou avant-hier. Euh, qui nous dit qu'aujourd'hui nous vivons dans un monde où l'informatique est omniprésente et dans lequel de plus en plus d'algorithmes définissent la loi, l'interprètent et last but not least permettent de la contourner sans vergogne. Alors ça c'est intéressant, c'est les algorithmes qui définiraient la loi. Ça renvoie au titre d'un livre, c'est-à-dire je suis fasciné par les livres, hein. euh, qui s'appelle Code is Law. Euh, le premier livre de larry lessig, euh, qui, qui nous dit en fait le code informatique forme l'univers des possibles et donc définit quelque chose des lois internes au monde du numérique. et ces lois internes, en plus, c'est le logiciel qui, les, qui est l'enforcement, le, la, le, la, la force qui rend euh, ces règles euh, applicables. c'est la force de police. c'est la loi et la police en même temps. Qui l'interprète, donc c'est ce dont je viens de parler sur le machine learning, l'intelligence artificielle, c'est-à-dire euh, je décide, en fait, moi, programmeur informatique, mon entreprise ou, ou mon commanditaire, ce que va être euh, la loi, comment je vais devoir interpréter les choses. Et on a de plus en plus, comme il y a des tas de choses qu'on ne peut pas voir de nos yeux, on n'en voit le résultat qu'au travers des analyses. Voilà, des tests, système de tests. Et donc, permettre de, de la contourner. Alors, quel... ah, si, hein, avant encore d'arriver à ça, quel est la... le problème qu'on est confronté Les deux listes sont importantes. Facebook, c'est un gros truc. Mais Facebook, c'est 60 millions de lignes de code. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais une voiture, une voiture aujourd'hui, c'est plus de 100 millions de, livres de, de lignes de code. Et ce sont du code. Qui interagit directement avec des capteurs et des actionneurs, c'est-à-dire la capacité de recevoir de l'information et d'agir, d'agir sur les freins. Les, les voitures modernes définissent une zone de sécurité autour d'elles. S'il y a quelque chose, elles freinent à votre place. Si euh, vous euh, vous comportez mal au volant, elles ralentissent. Enfin bon, il y a toute une série de capteurs, d'interpréteurs. Les voitures sont même censées être capables de savoir si le conducteur est en train de s'endormir. Et donc de, de ralentir à ce moment-là et de faire du bruit pour, pour le réveiller. Ça, c'est bien. Moi, ça, je pense que c'est bien. Hein. Mais euh, pour toute une série d'autres choses, le, ce matériel, l'automobile, est truffé de systèmes de système informatiques. Alors, qui dit système informatique Il y a quelques informaticiens dans la salle quand même. Dis les bugs. Il n'y a pas d'informatique sans bugs. Ça fait partie du monde de l'informatique. Ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, c'est qu'on ne peut pas programmer quelque chose de manière correcte, surtout quand on programme à plusieurs, où il y a des problèmes de mésentente. Il y a, il y a une trentaine d'années, vingtaine d'années, il y a eu un satellite qui s'est craché sur Mars, parce qu'une partie des programmeurs programmaient en, en kilomètres, donc dans le système universel, et les autres en miles. Voilà. Donc, bilan craché. Euh, le, vous connaissez tous l'histoire de l'atterrissage du LEM. Quand, quand Armstrong est, est allé sur la Lune, en fait, c'était un pilote de chasse, et donc il savait, et c'est lui qui a pris les commandes à la main, parce que euh, le logiciel qui était censé organiser la pose du, du LEM sur la Lune ne marchait pas, et ça allait beaucoup, beaucoup trop vite, et donc c'est lui, Armstrong, qui a dû ralentir très, très fort pour... Pour pouvoir enfin se poser, se poser sans dégâts euh, sur la Lune. Donc voilà. Alors, il y a eu un accident qui a été un premier signal sur euh, une voiture de Toyota, une Camry, euh, d'un certain monsieur Boccaout qui d'un seul coup, sa voiture s'est mise à accélérer. à accélérer. Elle a percuté à un mur, euh, sa femme qui était à côté de lui est morte, etc. Et là, euh, au début, on a commencé par ne pas le croire. C'est vous, vous aviez bu, monsieur. Il avait 72 ans, le pauvre monsieur. Ce n'était pas ça son problème. Et euh, c'est juste que les experts ont regardé le code de la Toyota. Et là, ils se sont aperçus que ce code, bah, il était fait par des informaticiens qui voulaient que ça, ça marche. Et donc, ils avaient fait des bouts de code pour que ça marche. Puis après, ils ont voulu que ça, ça marche aussi. Ah, ils ont refait un bout de code. On appelle ça le code spaghetti. Ça s'enroule dans tous les sens. Mais il euh, n'y a rien qui est maintenable. C'est-à-dire, un nouvel informaticien qui arrive, il dit oh, Je ne comprends rien, mais qu'est-ce qu'ils ont fait là Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire Bon, ce n'est pas grave, je vais faire mon nouveau spaghetti que je vais rajouter dans mon coin pour faire ce que je dois mettre en place. Et ça, c'est les experts qui ont examiné Scott, qui ont dit Ça n'est pas possible. Bilan, la justice a donné raison à M. Bocout. Hein, voilà. Donc, on, on est dans une situation où ce que voit le consommateur, c'est le système à la fin. Ce qu'il ne voit jamais, c'est comment c'est fabriqué pourri à l'intérieur. Et là, on a un, un, un grand déséquilibre et une, aussi une grande complexité. Comment est-ce que... Et alors, ça va se développer dans tous nos appareils. C'est ça qu'il faut... Ce n'est pas Volkswagen qui est le problème aujourd'hui. C'est que ce qui vient de se passer va se développer dans tous nos appareils, toute notre activité, toute notre vie au quotidien. Donc, quel nouvel équilibre on va trouver entre le consommateur et le producteur euh, quel, que, comment les ce que je disais tout à l'heure comment les pouvoirs publics vont s'appuyer euh, sur des gens assez compétents qui donc auront commencé par être des hackers pour être compétent il faut commencer par soi-même avoir détourné par percer les secrets de sécurité du code des autres ça fait partie des compétences quand dans le même temps on fait des lois pour interdire de déplomber décrypter, des, du code logiciel. D'ailleurs, et je crois, oui, c'est ça. Alors, il y a un certain Éric Raymond qui a lancé ce qu'il appelle la loi de Linus. Linus, c'est Linus Torvald, le, le enfin, créateur de, de Linux. Et la loi, entre guillemets, c'est euh, s'il y a assez de personnes qui regardent, il y aura moins de bugs. Donc, plus il y a de gens à qui, qui peuvent avoir l'occasion de regarder ce qui se passe à l'intérieur du code informatique, et moins il y aura de problèmes, de tromperies, ou de bugs, ou d'erreurs. C'est l'idée du logiciel open source. Le logiciel libre ajoute en plus que la réutilisation doit rester libre. J'en parlerai dans mon cours du, du 16 octobre. Mais libre ou open source, c'est pas gratuit le problème. C'est qui peut regarder le code euh, dedans. Voilà. Or, dans l'affaire, il y a tout un débat pour avoir aux États-Unis une exception au DMCA. Le DMCA, c'est l'équivalent de notre Adopi en France. C'est-à-dire, c'est une loi de euh, verrouillage autour de la propriété intellectuelle. Et il y a des gens qui demandent depuis des années qu'il y ait une exception pour les logiciels embarqués dans les automobiles. Et c'est Volkswagen qui, avec son, ce, ce, son force de lobby, hein, est la plus opposée depuis des années pour que cette exception ne soit pas votée par le Sénat américain. Et l'allié que s'était trouvé Volkswagen, c'était l'Environmental Protection Agency, l'IPA, qui aujourd'hui vient de quand même mettre au goût du jour l'affaire de Volkswagen. Là j'ai un extrait de la lettre. L'agence pense que si on exempte... Des, 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 des TPM, c'est-à-dire des, des mesures techniques de protection, euh, les dispositifs anti-circumvention, c'est-à-dire pour décrypter euh, du code, permettront aux gens de mettre en place des choses qui pourraient ralentir ou renverser les, les avantages obtenus sur le Clean Air Act. Enfin, C'est drôle. C'est le PA qui dit si. Il y a plein de gens qui vont regarder à l'intérieur du logiciel. Alors, ils vont s'en servir pour, justement, truquer leur voiture, détourner leur voiture pour polluer plus. Ils vont, quoi, ils vont faire ce que vous faisiez avec vos mobilettes. Quoi. Ils vont les débrider. Bon. Euh, c'est possible. C'est possible. Mais enfin, ce, qui est, ce qui est quand même drôle, c'est que ceux qui l'ont fait, ce n'est pas les gens. Ce n'est pas les 21 millions de propriétaires de ces voitures, mais c'est l'entreprise qui euh, a mis en place le logiciel et l'a verrouillé pour pas qu'on aille regarder euh, ce qu'il y a dedans. Ah oui, la date est intéressante, 17 juillet 2015, cette lettre. Alors, qui va lire le code Eben Moglen, Faut vous vous rappelez, j'en ai parlé la semaine dernière de Eben Moglen, c'est celui qui a rédigé la General Public License, la licence du logiciel libre, euh, Copyleft. C'est lui qui a rédigé le code informatique, c'est un juriste de l'université de Columbia. Et il a été interviewé, bien évidemment, dans la situation. Il dit euh, Nous devrions avoir le droit de regarder ce qui se passe à l'intérieur des choses que nous achetons. Nous les achetons, donc on doit pouvoir euh, aller regarder. Euh, si tous ceux qui avaient eu le, acheté une Volkswagen avaient eu le droit d'aller regarder ce qu'il y a dans le code, peut-être qu'on n'en serait pas là. Alors c'est bien évidemment faux. 99,99% ,99 des gens n'iront pas regarder le logiciel de leur voiture. Peut-être mieux d'ailleurs. C'est comme l'immense majorité des usagers de Firefox ne vont pas regarder le code de Firefox. Ou l'immense majorité des utilisateurs de Linux ne vont pas regarder le code de Linux. Mais il y en a suffisamment qui vont savoir le faire, pouvoir le faire, pour que cela offre... Une nouvelle ouverture démocratique sortir de cette invisibilité. Voilà. Alors, cette idée d'avoir des defeat devices, des, des outils trompeurs, elle n'est pas nouvelle avec l'informatique. Au milieu des années 2000, on a eu l'histoire du rootkit de Sony. Sony ne voulait pas qu'on puisse euh, graver euh, ses, ses, ses CD. Donc quand on était sur un ordinateur et que l'on mettait un disque produit par Sony, il allait installer à l'intérieur de vos systèmes un petit logiciel espion qui euh, allait empêcher euh, d'utiliser le, le Reaper pour, pour en faire des MP3. Au nom de sa protection, il mettait en danger la machine de l'utilisateur. Parce que le road kit, bien sûr, il restait là après. Il y a eu des condamnations, donc dans les années 90, on a eu Ford, General Motors, Honda, Caterpillar, Renault, etc., qui ont été condamnés pour avoir mis en place des méthodes pour ne pas respecter les règles sur la pollution. On a le problème des machines à voter. Aux États-Unis, de plus en plus, on fait confiance aux machines à voter. Et en France, il y a un lobby très fort pour dire remplaçons tous ces citoyens qui, le dimanche soir, viennent compter les bulletins à quatre assis autour d'une table, en se vérifiant les uns les autres et en, et en ayant une, une espèce de, de regard citoyen ouvert sur ce qui se passe un jour d'élection. Attendez, le, tout va vite maintenant. Le peuple veut savoir non pas à 20h, non pas à 21h, non pas à 22h, mais dès la minute où les bureaux sont fermés, il veut savoir le résultat. Pensez si c'est un gain démocratique essentiel, ça. Et donc on va installer des machines à voter. Mais le problème de ces machines à voter, c'est que très régulièrement, tous les chercheurs en sécurité arrivent à les déplomber, à rentrer dedans et donc à truquer des votes, s'ils le veulent. Et le problème, c'est que s'ils peuvent faire ça n'importe quel jour, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas le faire le jour de l'élection. Très souvent, ces machines à voter doivent être mises en route avec une clé euh, qu'on ne sait pas trop qui, qui l'a mis en place. Euh, il y en a même eu une où le mot de passe d'admin, c'était admin. Voilà. Donc n'importe quel hacker pouvait rentrer dans les machines à voter. Et on va réorganiser la démocratie pour gagner 5 minutes euh, au JT de, de 20 heures, euh, sur non plus des estimations, mais des résultats fixes. On va mettre en danger quoi toute tout l'architecture démocratique. Et le pire, c'est que ces gens-là, ils trouvent un écho. Il y a des gens qui disent Mais oui, il faut avoir des machines à voter, ça m'évitera d'avoir à me déplacer. On est, on est où là Ça m'évitera d'avoir à, à me déplacer. Mais enfin, quand, quand on élit quelqu'un, c'est une cérémonie instituante. Cette personne, elle va être élue, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, elle va devenir le président de tous les Français ou l'élu de toute la circonscription, ou je ne sais pas quoi, ou le maire de la ville. Donc, bah, voilà, ça mérite un peu qu'on qu qu y réfléchisse à deux fois. Et qu'on ne confie pas ça à un réseau de machines. Donc on a, on a là un, un problème permanent qui est le problème de la démocratie, qui est l'intérêt des citoyens, qui est l'intérêt des machines économiques. C'est un problème permanent. Il est renouvelé avec le, avec le numérique. Alors accessoirement, il ne suffit pas de se poser ces problèmes de tromperie, mais c'est que aussi tous ces logiciels embarqués dans les machines vont, vont poser des problèmes de sécurité. Nous avons là une, une petite vidéo ces deux personnes sont deux hackers, deux professeurs d'université, qui travaillent à essayer de comprendre comment fonctionnent les logiciels des, des automobiles, les logiciels embarqués. et lui, le journaliste, au journal wired. et on va le mettre dans la voiture. là, ils sont derrière. et maintenant, ils sont à distance, assis sur leur canapé. et ils vont prendre le contrôle de sa voiture. ils vont le prendre ce contrôle grâce au téléphone mobile qui est ici. Une voiture du commerce, pas truquée. Là, il, il, il commence à prendre la main sur l'appareil d'entertainment qui est à l'intérieur de la voiture. Donc, il, il s'affiche sur l'écran. Ils vont mettre la musique en route. Il ne va pas la baisser. Il n'a plus le contrôle de l'appareil technologique, euh, entertainment, le, le système de loisirs dans sa voiture. Bon, après, les essuie-glaces. Et là, il ralentissent pour lui. Il est sur l'autoroute. Il dit les gars, les gars, les gars, je suis sur l'autoroute. Il se serre sur le bord et il ne peut plus avancer. Bon, je laisse le film. Alors, il y a une importance fabuleuse du logiciel dans la nouvelle automobile. Je fais un cours de culture numérique, mais il ne faudrait surtout pas, à aucun moment, réduire la culture numérique au web, euh, à l'accès à l'Internet. Au système d'information, c'est devenu le véritable écosystème dans lequel nous vivons. Je ne le répéterai jamais assez. Or, dans une voiture, il y a plusieurs circuits. Il y a un circuit de commande, celui qui agit sur les freins, le moteur, l'essuie-glaces, etc. Il y a un circuit de loisirs, celui qui est là pour euh, permettre aux enfants d'être tranquilles derrière, quoique en entendant le bruit des films, on peut se demander. Si euh, ça ne provoque pas de la distraction chez le conducteur. Donc il y a tout ce système de loisirs. Et puis il y a le système de repérage, de guidage, le GPS, les, euh, les annonces d'embouteillage, euh, les, les, les systèmes de, de cartographie embarquée, etc. etc. Euh, donc trois, trois, trois réseaux qui devraient être complètement indépendants. Parce qu'ils n'ont rien à voir et que le niveau de sécurité demandé. Par le, le système d'entertainment. Bon, voilà, il est le même que celui de tout l'Internet, mais il est globalement faible. Par contre, le niveau de sécurité demandé par le système qui est capable de gérer la machine, de, de, de gérer les freins, les essuie-glaces, les volants, etc., hein, celui-là a besoin d'être complètement sécurisé et ne pas pouvoir être attaqué de l'intérieur, de, de l'extérieur, excusez-moi. Et donc, on a une, une, cette hybridation qui est très, très forte de la machine et malheureusement, ces trois systèmes ne sont pas, ne sont jamais indépendants sur, euh, sur, les, sur les nouvelles voitures. En fait, si on regarde ce, le clavier qui est présenté ici, mais c'est d'une complexité énorme. Ça peut, ne peut servir qu'à détourner le conducteur de l'attention principale qu'il doit avoir, qui est l'attention à la route. On est quand même dans une situation où euh, aujourd'hui... Écouter de la musique dans sa voiture, c'est devenu carrément complexe. On passe son temps à regarder, à essayer de toucher pour faire avancer, ou, ou je ne sais quoi. Enfin, c'est autant de raisons, rien que pour écouter de la musique. Alors, je ne vous raconte pas quand il y a le, les gamins derrière avec les DVD, et puis euh, l'accès à Internet, et le, 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 la notification qui vous vient du journal et qui vous est lue directement en standard, en permanence, dans, dans votre voiture. Donc. Malheureusement, cette, cet aspect du réseau de loisirs est un critère de vente absolument énorme pour les voitures. C'est-à-dire Aujourd'hui, on vous vend des voitures parce qu'elles ont un accès au loisir, parce que est presque l'écran est, est pré-incorporé dans le, dans le dos du siège avant. Or, ce réseau de loisirs, malheureusement, n'est pas isolé. Et ce qui s'est passé dans l'expérience avec la Jeep Cherokee, c'est qu'ils avaient un système U-Connect qui utilisait le réseau de téléphone cellulaire, donc le mobile. Et en fait, c'est en passant par le mobile que les hackers ont pu accéder au système de contrôle de, de la voiture. Et au début, ils croyaient qu'ils ne pouvaient le faire qu'en étant sur place, branchés puis après, qu'en étant que par Wi-Fi, donc courte distance. Et ils se sont aperçus qu'en fait, non, ils pouvaient le faire même à très longue distance. Dans la suite du film, il raconte comment ils ont pu repérer des Cherokees comme ça, qui avaient le, les, les mêmes faiblesses et qui roulaient au Texas ou en Oregon. Donc, voilà. donc on est dans, dans cette situation. Or, ce, cet Internet des objets, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, est considéré comme l'Internet de l'avenir. Donc c'est l'Internet de demain, c'est l'Internet de millions d'objets connectés, sans, sans prendre de précautions pour distinguer les réseaux en fonction de leur, de leur échelle de sécurité. Voilà. André Gors, un philosophe qui est décédé malheureusement il y a maintenant six ans, euh, André Gors parle de la logiciarisation de toutes les activités humaines. C'est-à-dire que toute activité maintenant a une phase logicielle. Ce qui, ce qui nous rend indispensable des, des systèmes de, de régulation et des modèles de, de sécurité. Ça nous rend aussi indispensable de, de penser que, plongé dans ce système-là, il nous reste un droit. Si on veut nous mettre ce système d'entertainment à l'intérieur de, des voitures, mais bientôt de tout ce que, là où nous irons, c'est qu'on n'a plus le droit de s'ennuyer. Moi, je pense qu'il y a une revendication essentielle à mener à l'ère numérique, c'est le droit à l'ennui. Alors, il y a eu une expérience qui a été menée et qui a été publiée il y a un peu plus d'un mois par Telefonica, donc le grand, grand réseau de télécoms de espagnol. Ils donnaient une app à des volontaires qui, pendant tout un premier temps, devaient noter leur niveau d'ennui à plusieurs heures du jour et de la nuit. Et, et les, les ingénieurs ont pu calculer en fonction du niveau d'ennui quel était en relation leur type d'usage qu'ils avaient de leur mobile. Et donc ils se sont aperçus que certains types d'usage du mobile, ce que je leur allume souvent, je leur éteins souvent, je ne regarde rien en fait, et ça, ce sont des symptômes, de, des, des indicateurs pour dire l'ennui. Et euh, dans un deuxième temps, ils ont essayé d'élaborer est-ce que la personne s'ennuie ou pas. Et pour savoir ça, ils ont balancé... Donc, il, il, leur, leur système évalué disant « Lui, il est en train de s'ennuyer » ou « Lui, non, ça va, il a autre chose à faire, etc. » Et ils envoyaient un, une nouvelle de BuzzFeed. Donc, vous savez, le genre de truc, les clickbaits, on appelle ça le clickbait, les trucs sur lesquels on clique, qui n'ont aucun sens, aucun intérêt, mais la, la formule est bien faite et on se dit « Ah, oh, je vais voir un truc complètement crétin, ça va me rasser la tête. Bon. » Eh bien, tous les gens dont leur, leur, leur système disait « Ils doivent être en train de s'ennuyer », à 73% cliquaient sur ce lien-là. Et les autres, non, ça restait raisonnable. De temps en temps, ils cliquaient, mais ce n'était pas systématique. Vous voyez qu'on on est dans une double situation. On n'a plus le droit de s'ennuyer, puisque nous sommes toujours en train d'utiliser euh, nos téléphones mobiles. Et en même temps, ce téléphone mobile est capable d'envoyer au producteur le niveau d'ennui qui est le nôtre, et donc de lui permettre de nous empêcher de nous ennuyer. Mais nous empêcher de nous ennuyer, c'est. Des fois, pour réfléchir, hein, pour, pour, pour penser le monde, il faut accepter de s'ennuyer un peu, il faut accepter de, de travailler, il faut accepter des choses comme ça. Donc on n'a pas forcément besoin ou intérêt à être perturbé. L'autre aspect, aspect de cette invisibilité, c'est la question de confiance. Tous les matins, je me réveille et mon ordinateur il me dit, cette nuit j'ai fait des changements pour vous, j'ai mis à jour des logiciels, vous êtes content, n'est-ce pas il a fait tout le boulot pour moi, je n'ai pas besoin de savoir. Est-ce que je peux lui faire confiance Quel est le, le degré de confiance que je fais à mon ordinateur qui va se mettre à jour tout seul ah, Voilà, voilà, voilà une, une vraie question de, de, de société. Hein quand, quand je vais acheter quelque chose euh, au supermarché, j'espère pouvoir faire confiance à ce qui est écrit sur le paquet. J'espère pouvoir faire confiance au fait que c'est passé par des systèmes de régulation qui ont autorisé la mise en vente. Il y a une organisation de la confiance à un moment donné pour les gens. Là, la confiance, c'est écoute, Toto, si t'as pas confiance, j'aimerais pas être à ta place. C'est pas tout à fait de la confiance. Ou alors, si t'as pas confiance, c'est que tu es parano. Ça va pas bien dans ta tête, fais attention. Donc, non moi, je veux faire confiance à ma machine. Mais qui Qui à ma place Pas moi tous les matins en me demandant ah, Qu'est-ce qu'il m'a fait Qu'est-ce qu'il m'a fait Qu'est-ce qu'il m'a fait Non, je veux que le système social fasse en sorte que j'ai des garanties que quand un logiciel est mis à jour, ça va être dans mon intérêt et pas forcément dans l'intérêt de celui qui le met à jour. Voilà. Ça, il y a un système qui le permet c'est l'ouverture du code. Si ce code est ouvert, je peux me dire A priori, il y a quelqu'un qui est allé voir. En tout cas. S'il y a un problème, si ça va pas, parce que les bugs peuvent toujours exister, il y en aura d'autres qui vont le dire. Et je vais donc le savoir, ça sera corrigé. Ça sera corrigé, parce que les gens auront intérêt à ce qu'on ne dise pas de mal d'eux. Aujourd'hui, Volkswagen a bien compris qu'avec tout le mal qu est, qui a été dit sur lui, ils vont avoir un mal fou à s'en ressortir. À hein. Au final, c'est encore les ouvriers qui vont trinquer, mais ça, c'est bien connu, c'est toujours pareil. Donc voilà. Donc que veut dire avoir le contrôle de ma machine quand c'est en fait non plus ma machine, mais un service chez moi qui dépend d'acteurs tiers. Et, et réfléchissez bien, ce genre de machine se développe. C'est mon ordinateur qu'on met à jour, mais c'est un Kindle. J'ai un Kindle, en fait, je n'ai pas de livre dans mon Kindle. J'ai un accès aux livres de Amazon, et c'est Amazon qui me les envoie, qui sait combien je les lis, le nombre de pages que je vais lire, et qui veut facturer euh, les auteurs au nombre de pages que j'ai pu lire, à la vitesse à laquelle j'ai lu, etc. etc., etc. Enfin, je... Je suis un mauvais lecteur, moi je lis très lentement. D'accord Donc, on est là dans une situation où il y a de plus en plus. Mais ça a commencé très tôt, ça a commencé avec les gens de Hollywood qui expliquaient que quand on avait acheté un DVD, c'était pas un DVD qu'on avait acheté. C'était juste le moyen technique qui nous permettait d'avoir le service de regarder un film. Et que si on voulait le voir plusieurs fois, il fallait payer plusieurs fois, c'est normal. Ah, J'ai acheté sur cette machine Trou Détective, la saison 2. Très bien. J'ai voulu la regarder avec un vidéoprojecteur. Et le système m'a dit ah Ben non, cette machine n'est pas certifiée. Vous ne pouvez pas regarder avec un vidéoprojecteur. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire derrière. Ce n'était pas chez moi, en fait. J'ai un service qui est sur ma machine, sur mon ordinateur, c'est là. Puis en même temps, ce n'est pas là. Parce qu'il y a toute une série de systèmes de contrôle qui fait que quelque chose d'aussi simple que de le regarder avec un vidéoprojecteur m'était interdit. Alors j'ai acheté. Je croyais que c'était à moi. Donc, vous voyez, ce, ce basculement du produit au service, c'est un des symptômes du numérique. On, bas, on fait basculer tout du produit au service, mais en même temps, on continue à rester dans la logique que c'est notre ordinateur, notre machine, notre euh, film, notre achat. Et que d'ailleurs, si ce n'est pas le nôtre, c'est qu'on est forcément des pirates. Voilà. Alors, on a, on a le même débat sur la relation euh, Google-Android. Android est un logiciel libre. OK. Donc ça veut dire que tous les fabricants de téléphones, euh, à part Apple, installent Android comme système d'exploitation de leur téléphone. Très bien. Puis un jour, ils veulent pouvoir mettre Google Mail. Parce que le client a envie de Google Mail, il veut pouvoir lire son mail. Et Google lui dit, ah non, si vous mettez Google Mail, il faut mettre tout le package, tous les services Google, les, les cartes, le, le, le système de recherche, etc. etc. Donc, après, la question est de savoir, est-ce que Google profite de ça Google ne gagne pas d'argent avec Android, c'est un logiciel libre, il est distribué gratuitement. Par contre, il en gagne sur euh, l'utilisation des cartes, sur l'utilisation de, de la recherche. Et maintenant, vous avez peut-être entendu la nouveauté de la semaine, c'est qu'il va le vendre la capacité à vous cibler via Google Mail, avec votre profil. Donc voilà, sur ces trois applications, il gagne de l'argent. Est-ce qu'il n'y a pas... Abus de position dominante. En tout cas, c'est la position de l'Europe. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Europe convoque Google pour abus de position dominante. Et c'est en train de devenir une position qui est défendue aux États-Unis. En tout cas, il y a un certain nombre de personnes qui disent, oui, aujourd'hui, Google va bloquer l'innovation parce qu'il y a abus de position dominante. Donc on se pose ce problème de la loyauté. Est-ce que... Quand quelqu'un me vend un service, est-ce que c'est vraiment ce service-là qu'il me vend Est-ce qu'il ne cherche pas à me tromper Quand même depuis le début là, de l'heure de cours, on parle de tromperie, on parle de système qui, volontairement et sciemment, mésinterprète les informations pour pouvoir tromper un utilisateur. Donc quel, quel est, je te dis quelque chose devant, mais je croise les doigts derrière pour dire c'est ce pas vrai. D'accord Donc quel est, quel est le système qui, qui, qui peut tolérer comme ça cette absence de loyauté cette... On a un besoin de confiance et puis l'absence d'une définition de la loyauté. Et ça va devenir un problème démocratique essentiel. Hein, c est, c est, euh, cette question d'invisibilité est une question démocratique essentielle. Comment est-ce qu'on va pouvoir définir la loyauté et, et faire en sorte que ceux qui ne sont pas loyaux en payent les conséquences Souvent, le meilleur moyen de faire qu'ils le soient. Or, on est dans une situation où il y a ce qu'on appelle l'effet de réseau. L'effet de réseau, c'est le fait que la technologie tend à favoriser les gros opérateurs. Pourquoi vous n'allez pas sur Diaspora Ce n'est pas parce que c'est moins bien que Facebook. C'est juste que sur le Diaspora, vous ne connaissez pas grand monde. Sur Facebook, il y a plein de gens. Et donc, vous allez aller sur Facebook. Le, le, la, la richesse, la, la, la capacité, la valeur d'un réseau est en fait proportionnel au carré du nombre de ses membres. Donc ça veut dire que plus il y a de monde et plus en fait la valeur du réseau est importante. Il faut être là où sont les autres. Donc on doit utiliser les mêmes services que les autres, d'ailleurs pour deux raisons. Un, parce qu'ils sont là, on va pêcher là où il y a les poissons, comme disent le proverbe américain, mais aussi parce que c'est plus facile. C'est plus facile de dire aux gens, quoi, tu pas encore un Facebook, mais vas-y, c'est comme ça qu'il faut faire, il y a toujours quelqu'un pour vous montrer quand on vous dit euh, « comment vous n'êtes pas sur Diaspora ?» Sur quoi C'est un réseau social, pareil. Hein. Il n'y a personne qui, qui, qui va vous aider à franchir les premiers pas. Et puis après, quand vous avez franchi le premier pas, vous êtes tout seul. Donc, voilà, c'est un système. Donc, objectivement, les réseaux favorisent, l'effet réseau favorise les acteurs concentrés. Mais qui dit acteurs concentrés C'est la base même de la concurrence dans le capitalisme. S'il y a des acteurs concentrés, ils vont tirer une plus-value de monopole qui va mettre en danger à la fois le consommateur, parce qu'il va devoir payer plus cher, et puis l'innovation, les nouveaux entrants, la capacité à renouveler, à donner de l'oxygène au système. Du strict point de vue de l'intérêt capitaliste, les trop grosses plateformes ne sont pas bonnes, d'où le fait qu'aujourd'hui, il y a tous ces débats avec ces fameuses plateformes qui, qui, se, sont, qui se sont développées partout. Comment est-ce qu'on va pouvoir créer des lois antitrust Et des lois antitrust adaptées à la situation du XXIe siècle j'ai terminé cette première partie sur ce, ce petit dessin qui est extrait de Code, in, Code is Law, le livre de Larry Lessig, dont je vous parlais tout à l'heure, et qui dit en fait quand on veut obtenir une régulation, on ne peut pas s'appuyer sur un seul critère, mais il y a globalement quatre euh, actions, acteurs, euh, quatre, quatre systèmes qui pèsent pour. Construire la régulation. Et il faut mobiliser, quand on veut une régulation, là en l'occurrence, une régulation démocratique qui nous donnerait la confiance en faisant respecter la loyauté, en empêchant la concentration euh, et, les, et les abus de position dominante, et en, en faisant en sorte que le système respecte les lois. Tout ce que j'ai essayé de dire avant, c'est ça la régulation qu'on veut obtenir. Il va falloir faire jouer les quatre, euh, quatre acteurs qui sont le marché, le marché lui-même, parce que là, la douille que va prendre Volkswagen, c'est clair que ça va avoir des conséquences. Les autres vont y réfléchir à deux fois avant de refaire la même chose. Donc le, le marché lui-même est aussi un, un outil de, de la régulation. Mais ça ne suffira pas. La loi est nécessaire. La loi est nécessaire, mais comme on l'a vu tout à l'heure, elle ne suffit pas. Ce n'est pas parce que les États-Unis font le Clean, Act, Clean Air Act. Euh, que, que les gens vont se mettre à le respecter. Il faut avoir les moyens de renforcer la loi, d'appliquer la loi. On va y revenir dans la deuxième partie sur la traité de l'Internet. Le, le troisième aspect, c'est ce qui est marqué les normes, mais en fait c'est les normes sociales. Hein. Les normes sociales, c'est-à-dire les, les formes de comportement des groupes. Juste pour vous poser une question simple, pourquoi vous respectez la loi alors que vous ne l'avez jamais lue C'est à la fois une question simple, puis elle, est, elle ouvre un abîme de réflexion. Les gens respectent la loi, ou quand ils ne la respectent pas, ils savent qu'ils ne la respectent pas, alors qu'en fait, ils n'ont jamais été lire la loi. Mais c'est parce qu'ils s'accordent aux normes sociales. On voit bien avec le, nos comportements, comment se comportent les autres, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ne font pas, etc. On, on voit bien quelle est la norme sociale acceptée à un moment donné. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, s'échanger des MP3, c'est devenu une norme sociale. Qu'on vous dise c'est légal ou pas légal, c'est devenu une norme sociale. Et donc on ne peut pas faire une loi qui dit dans ce pays il y a 30 millions de voyous. Vous voyez, donc C'est là aussi que c'est un système à quatre, quatre branches. Hein. Il faut que tout puisse s'adapter. Et disant ça, je ne dis pas que c'est bien de prendre des MP3 gratuits. Je dis qu'il faut trouver un moyen de payer les auteurs. Ce n'est pas pareil, c'est deux choses différentes. Euh, il, va, il va falloir tôt ou tard qu'on paye les auteurs ou l'industrie culturelle pour pouvoir... Continuer à s'échanger des MP3. C'est une nécessité et ça se fera. Pas parce qu'il y a quelques Richard Malka de service qui essayent d'empêcher ça que ça ne se fera pas. Voilà. Et enfin, le, 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 le quatrième point, c'est quelle est l'architecture C'est-à-dire comment, comment on a organisé l'interpénétration des choses voilà. euh, Vous savez, par exemple, que l'urbanisme haussmannien a considéré dans, dans Paris à tracé des grandes avenues. Pour empêcher les barricades euh, de populaires qui avaient, qui avaient existé lors de la révolution de 1948. Voilà, l'architecture elle-même est une forme qui, qui, qui s'impose, qui impose des règles. L'architecture du réseau informatique, euh, en, comme architecture décentralisée, a permis la liberté d'expression euh, dont, dont, dont chacun trouve que l'Internet est quand même le. Le meilleur support de la liberté d'expression, c'est parce que l'architecture même du réseau était décentralisée. Donc, bien penser que quand on dit qu il faut faire de la régulation de quelque chose, on a ces quatre euh, vecteurs, ces quatre action, actions qu'on peut mener. On a quatre leviers à actionner pour essayer de trouver un équilibre qui s'appelle la régulation. La deuxième partie sera sur la démocratie technique. C'est Comment dans l'Internet, on retrouve aussi ces questions-là autour de la neutralité de l'Internet et du cloud computing Mais Là, on fait une petite pause.